Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Bote na bande commence sur GKM Télévision boy malamu na émission na bino grand débat debout congolais na bo misanga ba misana na biso en tout cas merci na confiance pe fidélité vous allez couper sa biso na GKM Télévision en tout cas et ça qui moi mi kolebe tous a quitté kasi tous si bon kozonga en place toujours na devoir pe na souci wana ya ko servir bino pe comme bino ba information nga imbi a chaque chadrak na za la rapenza na sengo mingi ya kozala ni faut le plus bo soit tanduke na bino. Demo mesano zali ngai mokote nazali na moto boluka ki moto tunaki mingi mingi mwana mboka samba olonga o azali na plateau na watu ko décortiquer na mamatali actualité politique mboti mingi na apôtre Gérard Kabel ngola mama Thérèse ba moto na bino pourquoi pas na ba abonné na biso oyo chaque jour ba se bazwa ki ba souci bazwa ki ba mitunaki mingi mingi j'ai quand même juste fonctionné pourquoi et voilà nous sommes de retour continuez de partager nos liens partager ba lien na biso na bande ko mususu ko sala penza eloko moko ya malamu mboti mwana mboka samba olonga mboti ndeko mbia chaque. Bonne santé, bonne macambonie. En tout cas, tous à malamu et puis toujours remercier Penkolo hein, parce que bah écrit bazan a raté na macambonie que ça soit YouTube que ça soit batamuté mamabe ou bien bateau nyonso bazan qui mal intentionné. Moni que après une semaine il y a repos tous à qui vraiment tous en forme dengue mutunyo ça constaté en oui. On reste debout, voilà. Voilà, j'ai la francophonie, en tout cas, c'est le Congo qui gagne. Ils allaient dire que le Congo vraiment au bac, bas s'attendait qu'il n'a monté que quoi qu'il s'est réalisé. Car avec volonté, il y a chef de l'État, en tout cas, la République démocratique du Congo a quand même à Sali a presté malamo 33 médailles. Au République démocratique du Congo ici qu'on récolté par rapport il y a G à francophonie, en tout cas 33 médailles, 5 en or. 10 en argent et puis 18 en bronze en tout cas ils allient Pep Malali Bosso RDC a qui est dépensé pour rafler ma médaille belé ils allient et loco moko ya motuya en tout cas moi moko samba olonga dans l'ensemble depuis le 26 août kino depuis le 26 kino lelo au monde nini j'ai la francophonie et s'est déroulé la République démocratique du Congo donc premièrement j'ai la francophonie. Partant na thème oyo ba organisateur ba choisi ça qui pour na ko meka un peu ko présenter ba Joana unité résilience ba terme zaki belé zaki choisi pour que ba ja francophonie comportement ya ba athlète na ba tunion so bazali tout autour ba se focaliser na ngoto ko ko ba keza réussite makasi premièrement attention particulière ezali na président de la République. Ouais. Avant tout, quand on a un résultat, tout le monde a vraiment Félix Tshisekedi comme une valeur ajoutée dans la République démocratique du Congo. Et ça a facilité, après des années, 50 ans presque, Oyo, Mboka Oyo et Meka Kozoa, pour Meka organiser un événement à valeur internationale. Les lots, tout ça, Koloba, Félix Tshisekedi, Azali, président Liboso où il a organisé un événement sportif et ampleur tout le monde à Wawa. Cela ne devait pas être possible sans volonté politique, naïe, sans amour pour l'école. Parce que mis de côté, le calcul est comme ça, parce que le Congo est un politicien. Tout le monde réfléchit politique, tout le monde pense politique. Mais Félix Tshisekedi vient de nous montrer que là où il y a la volonté, il y a possibilité de soulever même les murs. Même ngai naza kolobano awa nazala ki d'accord au départ na likanisi oyo tata mukonze ko la zoa ki pona ko organiser ba jeu à francophonie awa kota la lolenge mboka na biso ekamba maki kota la
constat kaya organisation culture tout ça n'angwe organisation pe niveau na biso capacité na biso ya ko accueillir batu pe ko s'organiser mais ané loko moko au président de la république a monaki et puis abakisa ki likolo volonté na ye c'est que les peuples congolais biso Congo tout ça la kana dans moko boye improvisation. C'est-à-dire nous sommes capables dans un moment où batu bazo s'attendre que bino boko sale loko wana au moins nous te lancer des défis pour te réaliser en gros. Voilà. Le président de la République a su exploiter eloko wana biso tozalaka nango capacité improvisation parce que soit même na athlète na biso les médailles ndenge ozo uta kolobela ngo awa 33 médailles. Voilà. Tozana minito parmi les top 10 il y a ba médaillé il y a jeu à francophonie. Voilà. C'est une prouesse. Soko tali mingi na ba athlète na biso o ba presté na ba animateur culturel na biso ba to bazaki na musique au moment qui avait beaucoup il y a plus les Congolais ont un don d'improvisation c'est-à-dire que ça soit dans les théâtres que ça soit dans différents domaines ba Congolais ba se donaka fond devant défi donc aux peuples moko face à un défi il y a toujours quelque chose que les Congolais vont apporter. Et il y a certaines choses qu'on va découvrir, même la culture, même dans le côté de la culture. En tout cas, on a des génies dans la République démocratique du Congo, mais parfois, on bénéficiera de Pinza, dans le soutien, parce que tout le monde, même dans le côté de la littérature, toujours quand même. La médaille, non. Bon, c'est ça, moi, président de la République. Batubele bazo condamné que oyeza momate ya kotia action na masano mais batubazo yebate que masano ezali pe facteur moko important oyo ko réduire pe insécurité o toza ko connaître même banditisme urbain. Président de la République na geste toi sali pour na baje francophonie et créer ezali ko la porte moko ouverte pour to bana pe ko valoriser ba sport mususu na ba domaine mususu oyo ko ki ko aider to encadrer jeunesse na biso soko tali lelo ba congolais ba qui a la découverte soko tali public congolais ezan na sport moko te au congolais a tikaki par contre biso to kanta peut-être que congolais ko tala tennis te ah congolais tala kaka balle dans toutes les disciplines dans les congolais étaient là les congolais participent à lutte. Une chose là faut aussi féliciter quand même ba ndeko na biso ba la qui si volontiers wana en tout cas tant le bar hospitalité, la RDC c'est un pays hospitalité. On a prouvé ça aux yeux du monde. Le lot de partout, même voire même la finale au RDC a participé. Azaki a combien la finale T. Finale le Betamia football dans le stade des Martyrs. On a vu quand même population plein à craquer. Tilibanda palais du peuple passe exacti. Donc même que la RDC a communiqué que il y a certaines personnes qui ont la bande qui ont la TV parce que l'espace est un soutien dans le quartier. Tout à fait, parce que au moins, ils appellent le réseau que les Congolais ont une absence. Il y a un moment où ils ont sangé sa bâte. Un moment où ils ont fait oublier la peine. Parce que nous avons fait un visionnaire qui nous enseigne. Parce que les gens qui sont congolais, vous croyez que vous tout le temps chauffer, vous avez chauffé, vous avez un problème, vous avez une image triste. Non, il faut aussi avoir des moments où vous avez la fierté nationale. Où vous pouvez permettre que les Congolais ont une tendance confondue, tout le monde est autour de la Géoana. Et là, vous avez soulevé un engouement où vous avez un c'est donc. Tout ça qu'on remercie d'abord les organisateurs et les francophonie. On remercie les chefs de l'État, les gouvernements pour la sécurité. Et les moments où ils ont été obligés de tenir compte dans le lobby, est-ce qu'il y aura la sécurité? Mais aujourd'hui, tant que tout ça qu'on évalue, les 10 jours où ils ont été salami à l'athlète, ils ont été déplacés. Zéro incident. Zéro incident. Tu as dit que l'athlète est agressé, mais si tu as dit que tu as un stade, tu as un kofi, c'est-à-dire, tout bon sani mobondo. Awa ngata on a sali analyse nanga j'ai compris quelque chose. Ezana batu oyo bazali ko pousser biso to réfléchir négativement à travers des fausses informations pour que mboka na biso ezala présenter comme un pays où il y a l'insécurité, pays oyo ba mutako ko ya ta zongi malamu. Pourquoi tous se demander même s'il y a mobilisation à ba force non sa sécurité. Mais otali quand même que dans les 12 jours ici. Et ça peut na battre nous sous oyo ba tout ko koloba ki ba sala kamona nko pour insécurité za la na mboka. Attention particulière au président de la République a pesi ba instruction ba zui na ville ya Kinshasa to kité parce que to ngato lobaki ndenge ba se concentrer awa na ko moko kulune salema.
Nebite soki na commune na yo kulu na oyo ki ango c'est-à-dire eloko mutayibi téléphone té mutasale eloko té quand même félicitations na ba kondi à la police en tout cas soki pe ba policier na biso ba se comporta ka boy bandaka ndeza eloko moko mala mais là moi une chose très importante quand même le président de la république a tié volonté na ye ya kobimisa mbongo ko sala ba infrastructure oyo conseil nini to pe loko nini ko senga na ba jeune ki noir par après eloko za malam le to moni visibilité à tata Raphaël to moni ndenge stade de basket e bongi lo be ko za la tourne biso moko BC Mazemba zo beta na BC V club awa lo lenge nini congolais akotika la pour tout battre là au tout s'il cause mais tout moni quand même que moni même en absence il y a éducation de base même en absence il y a gouvernance à mabeto zoaki les congolais a quand même une certaine vision bah jeune tout moni qui parce que c'est à féliciter na éviter ce que bah image à nos comonango il y a eu des endroits où muto a subi libanda na stade de martyr bah tout bah tangié au subi pour nanini bah tout bah boaki biloko na se kaka bah musu bah zan stade bah eba loko ti ango bah keko boaka na bah poubelle ça dit c'est un début de conscience et ça début moko ya maturité et ça doit continuer comme ça moi je pense que ezali bal et kei na quand d'abord il y a bah gestionnaire il y a bah différents stade où on a ba infrastructure oyo eza réhabilité et puis moderniser parce que biso tozana problème ou nene défi tozana ngona Congo eza défi à gestion c'est bien bon volonté aux politiques au président de la République azana ngwe ekoyi ko pousser biso lobby to organiser même CAN Coupe d'Afrique des Nations alors ce qui l'est l'eau ba infrastructure na biso ba gestionnaire ba ko gérer malamu te parce que so tali gestionnaire ya stade des martyrs ou bien complexe omnisport et au stade des martyrs ninga ba benga kango façon na ye ya ko gérer eloko wana ce qui lelo batiki yango na maboko na ina ba nouvelles infrastructures est-ce que to kozwa problème te ça dit il faut aussi former les gens parce que to za comprendre que za manque eloko ezangi biso to za na management sportif te ils apprennent ce que ezali ezapennan avancer te que l'état congolais songe à engager des professionnels oyo ba yebi baza na connaissance exacte ba tangi ba kelasi ndenge nini ba entretenaka ba milieu sportif c'est-à-dire stade local à martyr ba stade à basketball comment faire quels sont les gens qu'on doit engager chaque fois qu'il y a des manifestations ba personnel oyo bazali ko travailler wana esengeli ba sala mine mais komona ya biso lobby ko koma ya ba campagne d'évangélisation moi je suis chrétien na ko ko pexa te que ma église est salema mais ce n'est pas dans tous les endroits qu'on peut accepter que ba campagne et ko ba nini non non ce n'est pas toujours comme ça que les choses doivent être organisées et ça important que ministre na biso ya infrastructure kabulo toza ba taliboso te toza et il y a sport pardon donc et tout ça bato libo sote tozo bele lango na kanisi bato nyonso ba moni ba infrastructure wana ba bele li pon entretien ko songer déjà à entretenir ba stade oyo ndenge nini ko za la gérer ça c'était un semblant de but par rapport il y a grandeur il y a Kinshasa par rapport à ce qui représente l'agglomération il y a ville à Kinshasa na monde pe na Afrique Tozan a besoin d'infrastructures où ils sont plus meilleurs que eux déjà Tozui. Mais commençons d'abord à bien gérer eux Tozui. Na la kanisi que ezali déjà et lokoyo esengeli ekota na aden na biso du sommet à la base même na ba commune. Ils appellent important que bourgmestre ya commune à s'impliquer pe na gestion ya ba infrastructure ya commune na ye. Voilà. Donc bazali ko travailler na salubrité ya commune. Ya commune. Baza pe tenu ya ko garder environnement wana propre les lieux les alentours ya stade de martyr outre la gestion ya bateau baza ko gérer ba bien wana. Ezo senga pe ke ba commune na biso s'impliquer. Na zo kanta que to komi ko avancer. C'est-à-dire ma débat où toujours s'attendre nango ezay ngoyo pour ko ko faire avancer biso donc en tout cas ça eloko moko malamu même na ba stade na biso to mesa na culture ya komona ba stade ya stade donc tant ou ba ko kota ba stade ba zawana uniquement ba kota la public tous les gestes tout le mouvement en tout cas ekola ksa mutulo lenge nini ya ko se comporter biso ba kinwa na ba stade o ba sale biso ba bongse biso. Il faut engager des stadiens chaque jour, bayaka stade, qu'on vérifie, qu'on tala donc. Et ça a été l'obito qui est. Oh, tribune ouana, tribune d'honneur, y'a tata Raphaël, ils ont recommandé qu'on va faire. En tout cas, vous avez l'eau au moko. Il y a bien tant tout cas. On a vu quand même des félicitations. Tout le monde m'a félicitations. Même Ambongo a félicité. Misala, il y a.
il y a francophonie dans l'équipe malgré attendre combat de tamo quand bien coloté. Bon, et puis tout moni bah maître Gims quand même a félicité, a fait a moni changement et comme il y a pe latinzo tout na Congo na République quartier du Congo, en tout cas coup de chapeau na ba garde républicaine pour assurer sécurité et ambassadeur na bino kitoko makasi, en tout cas a sepe là qui vraiment ko ya se senta qui vraiment na ça na azaki pena la mboka na ya se retrouva qui pour ça essayer loko moko ya motuya mo la mboka par rapport ya Il y a ba réaction pour abattre ici le gouvernement belge. Bon, non, premièrement, d'abord, les jeux de la francophonie ont mobilisé tout le ba leader congolais belge. Voilà. Ceux qui ont ça, au bout, ils vont se prononcer parce qu'ils ont opposé au Betty Libanda, parce que c'est une fierté nationale. Gims Azali parmi jeunes congolais. Oh, bien qu'il ait changé de nationalité, bon, il y a peut-être un combat français, il y a une nationalité, oui. Mais ce sont des gens qui ont grandi en France. Bah, ça n'a rien à voir de très proche du Congo. C'est qu'il y a de très proches pour Nabango et Zamakila, mais l'éducation qu'ils ont reçue, l'environnement dans lequel ils ont évolué, c'est l'environnement français. Ils sont beaucoup plus attachés là-bas. Mais il faut avoir un Fatih Béton pour attirer vers Bisso, Batu Oyo. Ba bwa ki sa Congo ba zela ba perda ki espoir Gims na petit frère naye Dadju bazo sa la fierté lelo ya musique congolaise. Ce sont des jeunes congolais oyo ba imposer style musical na bango na France. Soko lobby Gims en France, tout le monde connaît et c'est ezana na histoire ya musique française ezali na moto oyo azana conquérante pa en terme ya vente ya ba disque, en terme ya kolandama azali kolo. Mais problème ezala ki que ba bandai ko yawa te. Oui. Pendant les 18 ans à Kabila, Gims a bandi carrière, il était au top, Kabila était au pouvoir. Mais grâce à Félix Tshisekedi, qui donne importance à Congolais Nyonso, que yoza paye na quelque chose que ko apporter na mboka, tout moni bango baye. Et puis ko déplacer Gims, peut-être bata bazo yo ka Gims, azape na moi ki bongai na ye zawana. Donc point di makaya ko pa ko beta na baje à francophonie, c'est qu'il a vu quelque chose de positif. Et puis à la fin, il y a concert o yo beta ki na esplanade à Palais du Peuple, il a lancé un message. À l'Obi, les Congo est en train de changer. Hein? Il faut rester positif. Et ça, message même pour les politiciens. Ce n'est pas dit que parce que yo, vous avez aidé dans l'opposition pour que Tshisekedi travaille mieux, mais il faut nier l'effort de l'Union et les alliés qui sont en Mboka. Il y a des gens qui voient que c'est positif. Mais bien, vous avez travaillé pour que les alliés en Mboka, ça ne marche pas. De ce côté-là, moi, je les félicite. Sans tout à fait, et sans faire Didier Lelou. Sans Kobima qui a commis partisan à Tshisekedi, il a lancé un message important. Oyo et Koki coupé sa peuple congolais, jeunesse congolaise, espoir. Et puis, Moussousou Peba participa qui basait Ebele, son père Djuna Djanana. Il y a des gens aussi qui se disaient opposants. Oyo, Tika Kinanou, Mindou qui n'a pas de nom, c'est tout le monde qui a le bien. Cardinal Ambongo, c'est qui? C'est tout le monde qui a le chef de file à l'opposition. Parce que Makamouya, ça l'a fait. Pour moi, peut-être la première fois tout le monde qui a se comporté, Il ne pouvait que faire ça. Moussous peut trop bien en Sony. Parce que ce qu'on s'allie en côté, au milieu les bandes d'actualité. Vous pouvez voir ce qui s'est passé au stade. Pour te le mingité, le stade a vibré na rythme à Fatih Béton. Baye Bisaye quitta dollar, quitte sa dollar, kaka bango. Baye Mbelaye qui a eu deuxième mandat, kaka bango. C'est-à-dire, ici, l'expression du peuple congolais est mon ami. En tout cas, c'est. Ezaki Lomora Mutuya, Pinza, population, Bago Sepele Lomora, chef de l'État. Chef de l'État, la biso na sepele na simplicité. Simple. Donc, na ebite tant que Kabila Zaki na pouvoir. Il y a une médaille, aussi mis téléphone, il y a une selfie. Mais quand même, on imagine. Il n'y a pas de ça tout de Non, en tout cas, il y a un mot qui est là, je suis francophonie. Et les qui. De côté, on a appuyé pour la tsapé bande de Kobazoul en Dabiso. Quand on a la présidente de la République, quand on a la Nini, là aussi, quand on a la roboté. Je pense que là où Kabila est là avec sa femme, on livre, mais on a regretté. Parce que Kabila était comme un robot. Azaka n'a pas sentiment. Ça dit que tu as la Kabila dans la télévision, tu as la Kabila, même toilette à côté. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi a premièrement humanisé.
Et puis, tout le monde a dit démystifier terme zo échappé ngai. Poste à président de la République, et ça que ceux qui le loza président lobi pour koza laté. Donc il faut dans un ngana dans un citoyen normal. Moutu fois c'est santa galaise soka za pemeni ya mukonzi amboka. Voilà. Il y a Kabila donc soka za wana il faut bino nyonso na mutema bozo banga. C'est ça ne pas ça. Mais aujourd'hui, même ba jeune wana ba yé il y a Burkina Faso, il y a Cameroun. Bah, senti que non, en tout cas, président RDC, c'est un président cool. C'est aussi du marketing politique. Voilà. Même Bato Bazali Banda Bayebi, que si on a un problème, on peut facilement approcher le président de la République démocratique du Congo. Il faut pas c'est ça vendre l'image. On est basé là que Bazali échange avec le président. Ah voilà. Soit président Bissouba qui n'est né qu'une parce que peut-être déjà le Congolais peut belé bah reconnaître valeur au Félix Tshisekedi à auprès de la population congolaise. Parce que les lots comme on a président là simple à participer na ba na ouverture na fermeture ti na ba jour nous sous azali koya ko assister malgré Jésus ko landa mais azali qui toujours ko na suivi ya ko ba nini eza ko leka lolenge nini Jésus ko kende en tout cas ezali lo comment quoi malamu merci beaucoup écoute chapeau aussi à l'artiste Ferrego là en tout cas à pensa qui na clôture na ya Jean Francophonie ya qui na nzembo a yembe la bande quoi est du Congo coup chapeau à toi en tout cas ezali lo comment quoi il y a malam to développé dans l'actualité politique nabiso en tout cas cette fois-ci to lobela li kambetali ndeko topé ministre Jean-Pierre Bemba c'est là qui bon ko joma na ngambo ya est République démocratique du Congo li kambetali partenariat topé coopération militaire entre la République démocratique du Congo et ne bazakutana ki bon ministre défense ya France ya Kenya mais eloko wana epesi penza moi de bazar bande ko pe belé ba douter nango comment fait-il Kenya par rapport à force régionale ne basile koya tomoni résultat à ta mon côté à ta balle moko ya caoutchouc ba betite à ta gaz lacrymogène ou ba bois quitté par rapport au contraire bazar bateau ba faciliter négociation ba faciliter ba manguna ko zo ba place ko zo ba bloc belé belé pourquoi ko kende ko collaborer na bango sous na ta au biso tout ça au président de la République nuit et jour aza kolobaka aza ko compter na force ya République démocratique du Congo topé na ba FARDC. Bon premièrement d'abord je commence par un conseil de la même manière que tozali ko encourager chef de l'État, le peuple congolais dans l'ensemble sympathise et encourage le peuple, les présidents de la République. De la même manière, il faut te faire confiance en termes de diplomatie. C'est-à-dire, Bitumba Oyo et Zali Kobundama Nafron, tout le Bitumba Oyo Congo, Azali Komene contre banditisme, ou Zali économique, ou Zali Komema pillage, ou Zali Kobenga guerre. Ezali bitumba ezo salema na ba phase na ba niveau ebele. Ezali bitumba oyo tokolonga ngo kaka na mandoki ya FARDC te, mais ezali bitumba oyo tokolonga ngo pe na stratégie moko diplomatique. Wana ezali na domaine na biso te na kanisi na domaine ya diplomatie ezali na makambo ebele oyo eza ko échapper na contrôle ya peuple congolais oyo esengeli na biso mwa moke ya patience pe toloba nini oyo babengaka na confiance na président de la République parce que ce qui te lobito memango par rapport à obiso tozo mona je pense que président de la République Félix Tshisekedi a mérité confiance na bisoté parce que mutunyo sondenga uti koloba awa ayebi que les Kenyans s'est mal comporté comme les autres états na cadre ya battante oyo peuple congolais topé oyo ebongisa makina na Nairobi na oyo force il y a EAC Zali Kosala sur le terrain, peuple congolais a satisfait dans le mais la déception et puis l'étonnement des Congolais Zali basé sur l'accord Oyobemba qui a été signé au nom du gouvernement congolais, l'armée congolaise entre en collaboration avec l'armée kenyane. Et puis, nous avons comme un lobby. Les Kenyans, tant que le classement, les lobbies sont en 8e position, ils sont en 13e position. Voilà. Notre armée est la mieux cotée par rapport à Kenya. Formation nini oyo, armée kenyane a coupé sa armée congolaise. C'est une question très importante. Tout ce qui concerne la sécurité et la défense d'un État ne se parle pas dans, dans l'espace public. Voilà. De diverses façons, l'armée kenyane n'a pas de leçons à donner à l'armée congolaise. Nous avons certes connu un retard. Et retard au biso te connaître pendant tout régime ya Joseph Kabila et ça dû à complot international où Kabila facilita qui parce que Kabila a facilité la mort
c'est-à-dire à exterminer bah officiers mignons militaires importants au bah kokaye kozala na vocation à servir boka pour les remplacer par bah tout inaye na bah oh ya ton tsaki na kati ya armée. C'est il y a du travail là dedans au monique armée congolaise en termes d'expérience bah ça n'est loko bah koye ko apprendre était auprès à Kenya mais na fongola ki parenthèse moko est important bah ndeko na bise singeli bayeba sur le plan diplomatique naza ko beta 7 mingi ne loko wana po nyonso to koloba na bitando na biso te les touti ont dominé l'Afrique centrale à cause de la politique occidentale, à cause de la politique américaine. Batou ba comme ici, batou ti ba enfant chéri, c'est les États-Unis d'Amérique. Nations Unies ba adopté na ba opté na politique wana sur base ya orientation na ben jonction à États-Unis. L'Europe également. So otali awa tango dossier kaka ya muke un leader congolais oyo toza ko benga wana ni ancien ministre pays nani député nani ministre non oyo autaye ko sala ba déclaration ra lobby ki en touti yaza mutu boye makambo alubaki baza ba criminel né baza ba tueur bitakwira voilà au moni réaction ya ambassadeur ya Union européenne ao a représentant Union européenne ao ça dit c'est une réaction qui n'a jamais eu lieu lorsque les Congolais sont menacés voilà. Ça dit quelque part on comprend que les complots internationaux viser à confier l'Afrique centrale entre les mains de tous. Et c'est ce que Kagame est en train de faire. Il continue à le faire même. Si on porte d'entrée paix à pouvoir Nabiso sur le plan diplomatique, Félix Tshisekedi devait dévier les pièges touti pour accéder à pouvoir. Et ça, il y a peut-être les Congolais qui sont bien votés. Ceux qui ont l'indi de l'opposition, ils ont expliqué que les Congolais ont présenté Félix Tshisekedi sous un mauvais jour. Dans la diplomatie, ils ont dit quoi coopter pour la méthode moko et qu'on peut diminuer traître. Pourquoi Tshisekedi a rencontré Paul Kagame? Pour la nini Tshisekedi a solo la kina Kagame a commis ça qui est frère naïe. Tshisekedi devait le faire parce que c'est une stratégie en diplomatie. Ce qui a approché qui était, tu n'as toujours pas possibilité à recommencer un point de communauté le loté. Il a découvert beaucoup de choses tant qu'à côté qui n'a qu'à y a liboulouana. En faisant comme Mouzé, Félix Tshisekedi pouvait se faire abattre avant. Il y a même Likamboyo, ils allaient continuer. L'affaire Yabatouti, ils allaient affaire Moko, hégémonie na bango, il faut qu'on bannir en haut, na politique d'Afrique centrale. Et Félix Tshisekedi, Azali numéro 1, Oyo, Asimi politique wana, yako enterré empire Imatouti wana Oyo bango babandaki. Parce que moni est s'étendre dans le pays de l'Afrique centrale sans que les populations ne le sachent. Même Nangamba na Brazzaville, c'est de l'empire, c'est un empire wana. Ils ont bazako s'implanter, ils ont vision na bango bazaye nango. Tant que bazako s'implanter économiquement, l'objectif est ali ba s'habituer na mboka wana après ba créer classe politique moko ya bango. Oyo bango bazako manipuler. Au Congo, ils avaient déjà réussi, ils sont dans toutes les institutions. Ils sont maintenant na Congo Brazzaville, baza partout ils ont politique bango ba envisageaki. Seule façon ko bundisa bango, ils ali ko landa bango na sommet et sika ba outela. C'est les États-Unis, c'est l'Europe. Il y a un moment na Kenya, Félix Tshisekedi a fait trop de va-et-vient au Kenya. Na Brazzaville, c'est toujours les tout qui avaient posé conditions. Félix Tshisekedi a été comme président de la République démocratique du Congo, assurant sa sécurité na biso. Makamuna biso, les tout ont posé des conditions comme ça. Et ça va bien le mususu koko bima batwa le bien Félix a été kamboka. Bato baloba que Félix a été kamboka c'est parce que baye baté. Aujourd'hui Kagame a des problèmes avec Félix Tshisekedi parce que c'est après qu'ils ont compris que, en tout cas, Moutoyo, Azana Makila est très traité. Il aime bien son pays. C'est de la même manière, Bakor Oya Bemba, pour Nazonga na vif ya sujet. Ce que Bemba est en train de faire ne veut pas tout simplement dire que Congo, y a une trahison face au Kenya. Pourquoi Tokoye Kozong Sabango? Dans le fond, nous n'avons rien à avoir, des leçons à recevoir auprès de Kenya. Mais c'est de la diplomatie. Rapprochement na Bisona Kenya. Et ça peut que ça Rwanda mal à l'aise. Tout ça qu'on s'est rapproché na Kenya, même Centrafrique, où Azali très proche à Rwanda, à reconnaître ma problème. Les Américains qui ont mis Kagame au pouvoir, suite à la pression à Bissot, ceux qui Bissot tous à debout, bango moko wana pende mutu, bako longo la mutu na bango, bako luka place ni bako kende komeme laï. Donc, lelo, si Bemba a signé coopération militaire entre Bissot na Kenya,
Mais na Rwanda, baza pe na façon, baza dans une étude, baza ko étudier pourquoi ce rapprochement. Parce que le même Kenya, président Kenya, zolagi kuna zo seka seka na Kagame, baza na makambo, baza li kuna entre bango na bango batuti. C'est-à-dire, nous laissons la diplomatie au président de la République, aux diplomates congolais. Nous restons éveillés. Bisoto Zalandé debout comme un peuple, tout revendiquer ba droit na bisoto barré route na complot international oyo. Le jeu de la diplomatie, c'est un jeu qui doit être fait par Félix Tshisekedi et faisons-lui confiance. Hein? Nous devons lui faire confiance parce que Azak ou mérité en marge à manœuvre ou est important. Tout le bela, qui parle de question, tout le monde Kagame, Azak Penza, par rapport à la source, plusieurs sources africaines, Azak Penza à l'Est, nomination par-ci par-là, tout le monde a changé, les lois, le monde a remplacé, tout le monde même n'a pas pistonné, on a plus au monde parce que Azak qu'on se sentir vraiment en insécurité, tout ça, ça devient du Congo, tout le monde. Un président Ngambo a kenaki kuna kuna ki kuna ba décorer le rôle à bébé à maternelle le rôle à mon maternelle a joué ce qui collation si parce que biso a déjà c'est comme bongo azongi tinda ambassadeur na awa to moni lo mo c'est comme si mutu moko a reconnaître que le rôle autre que ça kuna zali ma bé asdo aluki a se justifier mba mo mais et petit de sous panique na Kigali non Kagame bateau ba bons observateurs ba yebi que qu'il pleuve ou qu'il neige à Kokende. Et Azada a porte à sortie. Manœuvre nyon so baza ko luka pour na ko affaiblir mobilisation ba congolais ou bien ko ba gagner temps. Ils ont manœuvre moko et ko même nango résultat mon côté que d'après plusieurs sources même le bateau Mingya pour remplacer baromi ko ça la bloc pour dire que faut tout ça Kagame liban. Mais c'est ce que j'ai dit, moni dictateur soka comme Mingi ko qu'on remettre en cause sécurité naïe. A comme au moins à chaque fois ça obligé sécurité nanga sachez le bien que il se sent en danger. A comme beaucoup plus que se confier na ba membre de famille que bateau y a travaillé na bango abandonne na bango utakala. A changé qui ceinture naïe à sécurité, a changé na garde muta bande ko commander garde présidentielle naïe a changé, a sali ba nomination musu sur l'armée, ba bisike bela zali ko simba c'est parce qu'il n'a plus confiance aux gens. C'est ça le langage direct. Mais problème obligé vous allez constater zali que nous ça ne nous engage pas tout ce qu'il fait. Voilà. Bisso peut tout ça qu'on s'est concentré. Nous avons des défis en termes d'organisation comme un État. Voilà. Ça dit ce que fait Félix Tshisekedi, il fallait qu'il ait compris par les Congolais, mais tout ça qu'il y a des failles en termes d'organisation. Tout ça, il y a des défis à Bisso Mounene et à l'interne. C'est-à-dire, nous avons manqué de nous organiser armée moko républicaine. C'est ce que Félix Tshisekedi fait. Et il le fait si bien. Tout ça, la police, mon corps républicain, la police, mon corps professionnel, le service, la bise, la migration, le service, la bise, le renseignement. Il faut base la politique, mon corps de base, il y a sûr. Félix Tshisekedi est en train de le faire. Et ça, il y a des Congolais, peut-être, il y a des gens qui ont attaqué Rwanda. Et ça, c'est un nini. Et ça, c'est un nini. Félix Tshisekedi, c'est le vrai problème du Congo. Oui, de Konanga, ce qu'on a fait, c'est un mouto, à désorienter. Dans l'actualité, à Congo, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Parce que l'actualité du Congo, c'est plus qu'un sujet d'examen. Ce qui est aussi au réussir, parce qu'au moins, il y a un point de vue et un éclairage. Chaque jour, il y a des choses qu'on apprend du Congo. Problème, c'est que le Kagame est mal à l'aise, l'insécurité. Il y a continué à penser qu'il faut être dans le Congo, à consentir à ne pas y aller. Il y a déjà dans le cas. Les téléspectateurs n'a besoin de les balancer n'a besoin de que il y aura un temps insécurité cause la macasse lui va se sentir en insécurité mabe ya zokanisa que le Congo va lui attaquer pour va l'attaquer parce que pour avoir raison Monique Kagame avant qu'on lui des fautes c'est que Félix Tshisekedi ne veut pas présenter aux yeux de l'opinion internationale c'est que biso peto que ne kokota na genaye toi attaquer de manière désordonnée pour avoir raison. Le Félix Tshisekedi a tout fait pour exposer Kagame, le présenter au monde entier. Naba tubaye bakiete, ba mona misala ya Kagame. Le reste au niveau diplomatique, c'est les problèmes du droit international. Quand un pays viole la souveraineté d'un autre État, c'est-à-dire la communauté internationale azana musala makasi. Et Kagame pour lui, il pense que noté a continuer à utiliser ba vieille méthode. Nous concentrons-nous sur notre armée. Dans les jours qui viennent ici, que ce soit Kagame, que ce soit Mindele, Bayebi qui va commis à bout. Nous, Congolais, nous avons pris un autre élan avec Félix Tshisekedi. Et les Congolais doivent comprendre cela.
phase au côté et sa phase moko congolais n'y se fait réfléchir comme un militaire combat auto comme il n'a pas que congolais n'y so azala n'a pensé le collègue militaire parce que défense ya sous sol n'a biso n'a stade au pas et guerre ya minéré et sa guerre moko et sa déjà c'est comme une réalité et les minéré les plus sensibles oyo ils allient promouvoir développement technologique et ça l'ipé n'a et ça n'a congo donc base. Et à l'inde bisomoko ba congolais, il faut repenser l'éducation, il faut un réarmement moral. Ceux qui ba parti politique na Congo, ils qui ba parti à solo, mais les Congolais n'ont soit éveillés. Voilà. Je profite d'ailleurs de cette affaire pour n'interpeller conscience à ba congolais ou ba holanda biso. Tu vois ce qui se passe au Niger. Ba tout monsieur bazo linga kozoango, kokosa la comparaison pour na kolobelango na sens oyo ezali ya bisoté. Le Niger, c'est un autre pays en Afrique avec ses réalités. Voilà. Parce que vent où ils allaient en Afrique à l'ouest, ils allaient vent moko, il y a décolonisation, ba lingi les souffrances c'était. Ba pays na bango il faut ils allaient indépendant et c'est un vent que nous tous nous appuyons. Mais l'Afrique centrale est indifférente. L'Afrique centrale ils allaient place oyo ba mou, baza ebelé en Afrique. Bato bazana nous bakotité na mu pepo Afrique ezana ngo bazana mingi en Afrique centrale. C'est en Afrique centrale nde bisika toza ko freiner développement d'Afrique. Ce qui se passe au Niger pousse la France à défendre ses intérêts. Bavion de chasse ces alikolo, bazoya nango ko tiana ba pays musus africain pour défendre ba intérêt à France parce que amonique iranium bazwaka eza ko tia eza en danger. Ce qui iranium wane ke ibiso France toza sune sika to kozuelate. Il veut impliquer tous les pays africains oyo batikali bazana simanaye pour ba kende na guerre contre Niger. Et nous les Africains, vous pensez qu'il faut biso to tika l'indifférent? Non. Et moi j'appelle aussi mes compatriotes congolais, tout ça dans le contexte de mon côté, mais biso pe photos à la debout. La guerre qu'on nous fait pour nos propres minéraux, même si guerre wana ils en a phase mon côté le Congo Niger, nous pouvons aussi voir des choses pareilles parce que face à leurs intérêts, ils sont prêts à tout. Balingi ba violer ba droit. Qu'est-ce qui peut pousser la France à kolongola ba toucher mboka na bangote? T'as la distance Niger ezali, t'as la distance France ezali. Mais France a loko la zana guerre. C'est-à-dire réunion à sécurité Macron sali ici pour kaka ba toucher ba intérêt na bango. Na pays au pays ya bangote. Nous devons nous mobiliser aussi face à nos intérêts, nous Congolais. Nous avons un bon président, mais l'impérialisme occidental, le multinational, ba pays ebele oyo bazana ba intérêt na bango, même certains pays africains, ba limite ke mboko e décoller. C'est ça la conscience congolaise, il faut biso to comprendre ba enjeu wana po to ba ko défendre mboka na biso. Mboka na biso yo za défendre te kaka na far de Sénat Félix Tshisekedi. Mais c'est aussi la maturité du peuple congolais qui peut aider que mboka na biso e décoller. Voilà, to tali ko ke demale même to ko ko ma pe na souka émission biso ka souk to même matin élection te za ngamba de kebele ba ko c'est pela langa te peut reprendre vraiment la guerre en tout cas tout le bel matin élection en tout cas élection na République démocratique du Congo ezali bongo confirmé pour na décembre oyo en tout cas mokambi ya seni azali ko fonctionner en tout cas azali ko sala nyonso depuis abandi déjà ko délivrer ba duplicataire ba carte d'électeur na bande ko nyonso ba carte d'électeur bon je ki ba koko so flou et longue monanité longue bungi ba koko so ki déjà ceux qui ont la Kinshasa aux qui carte d'électeur na moni été ba écrit tope ma commis ici ko bunga ke nena yango ba ko remplacer na motsusu kasi toujours dans la telle élection tout monde qui ba réaction ça la mangi pe belé ba maté to récupérer parce que Nicolas Beto za ki na binoté Moïse Katumbi et à Sengi na Monisco a sécurisé candidat présidentiel nyonso parce que a comme on a été bazali na insécurité to englobant directement na Fayulu azali ko pense a penser qu'ozala lisusu candidat na élection kasi pour na photo zonga na case du départ ba bongisa matali bureau ya Seni ya komona éclaircissement ezalité mo mboka malbombonga mbwa. Bon, Fayulu peut bosser na gaming. Na moni yo zongi si sur l'actualité pour na minute yo même lui Fayulu sait que il doit s'accrocher au nom de Tshisekedi pour à vivre. Normalement, ka Fayulu qu'on connaît est déjà dans un processus d'enterrement politique. Donc Fayulu n'est pas un politicien aujourd'hui crédible aux yeux des Congolais. Mais pour s'accrocher, il doit créer des scénarios. Ces scénarios-là, yango net ozoko lobelawana. Il n'y a rien de nouveau dans ce que Fayulu dit. Parce que Libosso a créé le sous-théâtre Moussous.
Boya, tout ça que l'obé la même élection, tout marché. Comme si mouto attend à combo les gars d'école et gens qui se gagnent. Voilà. Azana charisme, on a été école. Parce que dans le yo, bimi, bosso, bah, tu n'as pas se présenté tes suites à bout. Tout le monde, tu t'as failli. Tu sais, c'est que dit en télé, mais lui qui a une élection 2006, n'a pas se présenté tes vies. Boué, boué, boué. Il était constant. Il était constant. Il États-Unis, Naza coupé sa information. Voilà. Failli, n'a qu'à tomber. Chaque base, il y a diplomatie na bango. Bon, Fayulu Kututé, c'est Katumbi qui est le représentant des mafieux. Ba mafieux Oyo, bazako linga kotika Congo te, Congo eza libulu na bango, bazako se reconnaître en Moïse Katumbi. Les gens qui veulent s'accorder avec la politique du passé, politique où tseke de yango ya gagnant-gagnant, les cas na porte, il y a l'État négocier clairement na respect à ba loi ya mboka wana, bo ba lingi tseke dite, bazako kende na sima Katumbi. Il y a un lobby qui est lobby dans les États-Unis où ils ont défendre les intérêts dans les lobby là, ils ont payant pour que ils influencer la politique dans le niveau du Sénat américain, dans le niveau du département d'État américain pour orienter ma cambo dans le sens où ils ont arrangé. Si ba funda ki Tshisekedi mingi ba lobby Tshisekedi azali ko organiser ba élection, c'est un dictateur azali ko qu'on réprimait ma marche de manière violente à ma manifestant. Ils ont donné des informations comme ça. Or, Mundele, ce qu'on me met les gambo, à l'oukaka preuve, différence n'a biso, la société n'a biso n'a pas Mundele, pas Mundele, ce qu'on est dans les gambo, même ce qui n'est pas à mafier, à l'oukaka preuve, où ils ont certifié ma kamuna, ou pas bien bela na preuve, wana. Mundele a l'oukaka élément. Soit allé même par dictateur ou baboma na mukili, ba l'oukila kabango faille. Ils ont raison, moko et koko sala ki biso, tobi miselonke muto azama beto ke ko éliminer. C'est ce qui s'est fait. Les Fayulu n'ont pas trouvé un point important et koka ki ko valoriser démarche na bango auprès des États-Unis d'Amérique pour ba sans Tshisekedi. Yango moni ba kenda ko diembela balobi no te élection lingi ko organiser Tshisekedi yeyo, tozo ko kenda na poste élection et longwe wana onote machine za clarté. Yango moi si wa yaki awa ya États-Unis. Après ça qui bango réponse moi sur les États-Unis ayebi si bango clairement que boye bayango élection processus électoral ezali irréversible asangisa ki ba parti prenante l'union so asangisi na chef de file na bango ba toi cinq na ECC parce que opposition bango ba diembela kakuna bayebi si bango clairement que processus électoral na stade de komi moye bazonga sima ezate il faut bo s'accorder bo kende na élection failu laisser. Ça dit, ceux qui ont continué à distraire les Congolais, non, je suis candidat aux élections présidentielles, mais des bonnes élections. Toujours ambiguïté. C'est que Mouto a continué à atteindre, à couper sa faillite, pour qu'il y ait un faillite. C'est que OCP nous a entretenu ambiguïté, dans la versatilité. Mouto a cohérent dans ma propos. Si faillite parle, vous ne sentez rien de cohérent. Qui est ce Congolais-là, Oyo, Azane a une amnésie, a habité Kota, ou Tagina faillite, n'est-ce qu'à Tokomi. Donc, parlons autre chose. Fayulu et Katumbi ont déjà échoué. L'insécurité qu'ils ont voulu légitimer. Mais il faut démissionner. Les Congolais normaux, même s'ils ont la haine de Tshisekedi, ne peuvent pas accepter qu'un étranger dirige encore ce pays. Voilà. Ça, c'est logique. Et même Mundela Yebi Angoke, n'a pas le peuple à connaître. Un Congolais de sang, qu'il soit de père et de mère, qu'il partage les sentiments congolais, ne peut plus accepter que le Congo soit dirigé par un étranger. Papa, tu as une amnésie ou bien tu as un bateau, tu as vivre dans un siècle, ou un siècle. Katumbi n'a pas de chance, même lui Katumbi sait que ce qu'il cherche, ce n'est pas la présidence de la République. Dans le banc, Katumbi sait qu'il ne deviendra jamais président de la République démocratique du Congo. Et ça possible était. Mais ce que Katumbi cherche, c'est ça, Moussala Oyo, Batoyo, Bazako résister à ces manières balingi. Le désordre au Congo. Pour Bazala toujours dans la zone d'ombre où Bazako entretenir, Bapia Kabarichesse et à Congo. Si Katumbi réussit à nous infiltrer dans notre classe politique avec des gens corrompus, pour Nabango Paris, ils ont gagné. Et on a lancé un message à Bajen et à Katanga. Surtout au Katanga, parce que c'est là-bas où ils aiment beaucoup manipuler. Ne votez pas des gens alimentés par Katumbi. Sachez-le bien que vous allez handicaper la marche de votre province. Ce ne sont pas des politiciens, bazali ba sous-traitants. Oui, dans le banini, terme bien ça, ba sous-traité.
Ça dit, ce sont des gens payés par Katumbi. À côté ici, bah, on a la scène politique, alors qu'ils n'ont pas la vocation de servir. Bah, toi, on va qu'on servir, binoté, bah, yende, pona, ko, mais ma vision à Katumbi, à Zanango. Tant qu'on a Dominique Mounongo, le loi a sali recul. Alors, lui, que, n'a eu congé, parce que démission n'a eu attendu publiquement. Alors, lui, que, a eu congé, ma kamouya, bah, dynamique, y'a, bah, femme, y'a, y'a ensemble, et ça, pour la raison à santé. L'okuta, bitumbo, binobo, lukai, ki, boko bundango. Beaucoup et puis moi j'ai dit bah toi ça le et ça est l'homme porté aux banques c'est par rapport toujours droit tout ça la carte c'est à mettre l'élection tout le bilan oh les campagnes ça là aux députés mais mon tour longini non yo que tiens la cime à mon nez on a pour présenter on a cime parce que les lots obi par exemple aux députés ensemble oui effectivement faut dire Moïse Katumbi tout le tiens la cime parce qu'au peuple congolais nini ou à couper sa chance. Ils ont battu Bélé, comme on est là. Il y a même dans le FCC, battu Bélé, ce n'est pas parce qu'il aime Tshisekedi, c'est un kabiliste. Voilà. Mais il y a un vent de conscience qui est en train de frapper au Katanga. Vent où on a conscience, il y a un danger nango, par rapport à Berer au Katumbi. Voilà, Berer Oyo, ils allaient pousser. Bango va soutenir Katumbi et ça, Berer, il y a haine, n'a pas mauvais calcul. Ozomona, Bolingo, il y a école, il y a une bande qui a bu ce belé, qui a eu Katumbi na sima. Mais qu'est-ce que nous avons fait là-bas? Ils ont compris les dangers qu'il y a là. Ah, on va dire que nous avons présenté dans les médias que Babomi, Nani Cherubin, au Kende Tshisekedi, Mutabomaki. Mais entre eux, ils ont compris que le mal, ils n'ont pas na bango moko. Et ils ont ensemble. Il y a un peu de temps, ils ont fait une fuite. Il y a Égir, au fuite de Mahomet, de l'Égypte, de la Mecque vers Médine. Batubele, bako ça la fuite n'a parti. On a pourquoi? Les dangers qui existent là, Isanine, il y a ils vont s'entretuer. Et bako bomano, bako bomana, bango bako linga, bako présentant comme pouvoir en place, Azana Katia Kouboma, ba opposant. Elle a vu que Moïse a endure bango une erreur. Tribalisme, il a créé parce que Moïse veut profiter de la politique, il y a haine entre les Kassaïens et Bakatangé. Voilà. Il entretient cette haine-là. Ça ne paye pas. Plus je suis secret, plus je suis mal vu. Il y a un peu de leader qui a été fait pour le faire. Parce que je suis comme cible alors que je suis un peu de leader. Parce qu'en vrai, de vrai, Aden Oyazana Ngoya Tatana Bango Munongo, qui était successionniste, Yango Mutezo Tungisaye, parce que l'éducation qu'il a reçue de son père, l'histoire que lui veut garder, parce que ça n'a pas de mousse, normalement, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de mousse. Tata Soka Salaki Mabe, il y a condamné, il y a eu un peu vivre, kaka Mabe Wana. Voilà. Munongo est en train d'hériter l'Aden de son père, qui était successionniste. Succession Wana na Katanga et Memanine. Les Katanga qui a fait 3 ans, ils ont Katanga et Zongi na Congo. C'est Babana Oyo Bazako hérité. Aden Wana, successionnisme, ils ont une succession, ils ont permettre de avancer. Donc pour chuter, moi je pense que Bandeko Bele Bissot aussi, tu peux s'agir de message depuis longtemps. Que ceux qui sont derrière Katumbi puissent réfléchir deux fois avant de l'andam Bongo Balingi Mingi Wana. Boyebi et Sika Bongo Wane ou Takati. Mais Boyeba Yango qui est instinct ya Kagame. Méthode ya Kagame ya ko sacrifier ka batuti pour se victimiser ezali pe na kati ya Katumbi et il va le faire. Ils sont en train de chercher des morts, des incidents oye ko permettre bango ba sala dossier ba kende ko koti sa bisika lobby na bango ezako salema. Et pour ça ils doivent créer des Tshisekedi a quoi avoir avec bato bazana sima Katumbi ou bien Katumbi yemoko. Il n'y a rien, Tshisekedi n'a pas comme adversaire Katumbi, les adversaires du Congo, ce sont les impérialistes Oyo Balingi que Congo est décolleté. Katumbi n'est pas un adversaire de Tshisekedi, surtout tu tiens la balance. Et là, il y a un d'abord de père et de mère qui sont le reste de Kotawana, tout ça même dans le débat qui est parce que Lingala, français, la langue est importante. Namboka na biso langue oyo d'abord ils ont permettre que chef de l'état a fonctionné malamu a maîtrisé ba dossier d'état ils a français Katumbi alobaka ngo il y a des problèmes sérieux là dedans Lingala. Il faut kamita to azala so to longo wana na Lingala toye problème sérieux so yo yebisangai comment on peut faire confiance à quelqu'un comme ça. Nous savons comment Kabila est venu ici français té Lingala té tia bimipe asale fort té Lingala ngo yebango. Si les Congolais n'ont pas de vote,
même bano ba botami na époque Kabila ceux qui a compris na qui politique était mais le fait que avenir na ye ezaki hypothéqué du colo ya gouvernance a ko voter ba toi ndenge wana te. Moi je pense que c'est un débat que nous ne pouvons pas faire. Vous avez besoin d'élection ou pas quand dimanche après ces réponses ils allaient coûte moins risqué hein tout qu'une élection deux partis ou bien trois partis baboy ko kende que tout ça les élections t'es pour na batu moko songolo pakala to ko boye ko kende élection pour na batu te c'est risqué biso to ko boye ko kende élection pour na Fayulu ou bien to ko boye ko kende élection pour na batu mususu. Nous allons aux élections, les trains déjà démarré bango ba ko continuer na bango ko panzana que chacun sauve sa vie mutu na mutu apo na musala ko sala bilanga pe est interdite na Congo to moni corner nanga abanda ko sala bilanga ba ke ko lokote sukuna po baluke la kadima a Denis Kadima, adversaire, a créé parti politique. Ça ne change rien. Voilà, tu as mis la souka émission à Bissoua Mokola Lelo. Tu as mis la question de l'enquête de Maïmatali Liwa et l'honorable Sherbin Okende. Tu as mis l'expert de Libanda par-ci par-là. Tu as mis déjà Abimisi Gardcore, un emploi ça, Bablo Rebile, Bimi Kassi. Milingé, comme Ataka Ganangambo ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être, et cause à la surprise. Pour Tommy Lobelarao déjà pour l'obitant au Gobima Miso Abato. Et ça a été que haute manipulation politique tout pesait le camion tout au paralysé des salams. Ensemble, bah manipuler d'abord Mingi. Moi, pendant que Miso Tozali concentré à Oua dans ma cambo Italie francophonie. Voilà. Pour la clôture, il y a déjà francophonie. Il y a des infos parce qu'information ont été étouffées tellement que tous les Congolais étaient impliqués dans la francophonie. Les gens n'ont pas vraiment, ne se sont pas beaucoup focalisés sur le mensonge. Voilà. Ils ont publié des fausses informations comme quoi que l'expert belge au Bayakiawa, Bazali n'a problème n'a dit c'est parce qu'il y a un cadavre encombrant entre la Belgique et la RDC, un cadavre encombrant. Les experts belges auraient confirmé que Chérubé Okende, Baboma qui est quelque part, il a été torturé. Et torture, wana, il faut que les gens un service secret comme des MIAP. Et puis, il faut que les gens soient tués. Bon, qu'ils soient tués par n'importe quelle méthode, les enquêtes sont en cours. L'expert belge, ni quels experts, bah, tout cas, ces informations, mon côté, bimi wana. Voilà. Banquette, ils allaient secret, bah, ils allaient continuer à autopsier, c'est ça les maquis. Mais on ne communique pas comme ça les informations. L'expert, bah, il y a un professionnel. Bah, qui jamais, quoi, qu'on bimi sa boue, bah, bimi si ma cambo, sans que toutefois, bah, conclusion, ils aient la prise. Ce qui est limité quelque part, va représenter peu que tout ça limité à tel niveau. Mais le quoi, là, n'a qu'à chaud, boue, industrie à mensonge, ils allaient. Bah, fouti, bah, journaliste, na bango, mike, bah, tchaka, makele, là, en place publique. Oh, voilà, Chérubé Okende a été tué, il a été torturé quelque part, bah, yeko, tchaye. Nous savons comment les gens sont agités. Voilà. Et si, bah, l'oubina, bino, ki, bah, tout, bah, l'ila, kamingi, pe, na matanga, bango, anande, koutoune, bah, zala, kamingi, bandoki. Alors, kole, la, wana, l'okuta, wana, l'arme, a kokodili, tout, si, to, yebi, pe, ki, bah, sombi, famille. La famille ne pouvait pas accepter qu'un cadre d'ensemble, hein, impliqué dans ma campagne politique, à qui nous avons voix à famille qui est tous avocats. Ces avocats là sont des avocats de Katumbi. Oh, bah qui est dans ma campagne Katumbi. Bah moi l'année bah sont mes familles. Bah faire taire famille, voix à famille, zoyo kanate. Oh notez nous les avocats de la famille, les avocats du parti, ensemble. Bah zo présenter puis ma campagne le lingue zai angote. Bah tika ko s'agiter. Les vrais tueurs de Chérubé Okende. Ma information est qu'on a coupé sa conclusion dans ma camoufleuse au loba. La mort de Chérubé Okende. Parce que ma information est belle, hein. Ma raconter un peu bas au loba. Oh, et comme il dossier à Lupango. Azaki koué la Lupango na kingandi. Bah comme il koulouka ko désorienter opinion. Chérubé Okende. Tu koué bah vérité. Na bah oh, il va couper sa biseau officiellement et puis nous allons débattre là-dessus. Voilà, ce que c'est pas qu'une émission à l'élo, en tout cas, l'élo, c'est aussi un abino en retour pour partager l'émission, pour liker, pour commenter, tika commentaire, et que ça, l'abiso bien, suggestion, remarque par rapport à l'émission à Mokola l'élo, comme un commentaire, dans le temps, on a bouqué bignon, ça. Moi, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus pour te clôturer l'émission à l'élo. Il y a un peu plus de temps, Congolais, Singeli, à Téléma. Tope si longoni na tata mukonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona recite ya ba jeu ya francophonie voilà. Mais tolingi penda beta sete mingi parce que dans likambo moko na mona ki pe ya Sony na ba réseaux sociaux ministre na biso ya jeunesse azoyo ki sa jeunesse Sony
tous sentir tes représentations na biso jeunesse auprès du président de la République. Exactement. Ministre à jeunesse, il faut azala muto aza capable ya ko traduire expression à jeunesse auprès du chef de l'État. Voilà. Et puis qu'on mettre en place politique ya jeunesse ya malamu oui qu'on permettre que ba jeunesse et s'épanouir. Peu bas jeune base à la rassurer. Yango tozo mon atteint ministre en abusant la jeunesse. Aké kubunda bitumba na conseil national de la jeunesse. Na président ya conseil kuna. Bah komi kupota na kuna ça n'honore pas le pays. Voilà. Que le président puisse bien songer na ba projet phare ya jeunesse. Tu ébique ezan ango na table na yé. Mais qui ne se laisse pas distraire par des conseils na ba orientation. Oyo eko toucher na ango te ko zan ango n'impact te. Ma jeunesse congolaise. Pour le reste, en tout cas, dans les téléspectateurs, dans les gens qui ont télévision, dans les compagnies qui ont un moment où il y a absence, dans les gens qui ont été vous continuez à l'endabis toujours dans les différentes émissions. Vous continuez à l'endabis. Merci, Mingi, pour l'apôtre Gérard Kabeya. Merci, na l'union de l'union de Samba, Olonga, Nande Kumbi, Asako. Vous continuez à Landabiso, ce qui me tourne les alliés, boti kamo na commentaire, topé ndenge boko melarabiso, na ba numéro oyo ezaka na se habitant na bino. Merci beaucoup à papa Paulin Chika, bambote na yo, merci mingi à na papa Antonio Mbia, wazay ko se soucier chaque jour, comme pourquoi, na za ko mona bino de se souté, boza ko lekate, samba olonga, a ko mona na te, kas nous sommes de retour, donc yon to ko se nga partage mission na bande ko nyonso, aux quatre coins monde, ba zala informé, ba zala éclairé, ndenge mona mbo. En tout cas, pour la biso, tu ressens plus tard parce que on est déjà capable de longer la prouver avec le président Félix Antoine Tshisekedi. On est capable d'organiser même la chambre, même la CAN en République démocratique du Congo et puis et qu'on s'est déroulé n'engue moko et singele donc les Canadiens moko bien pourquoi pas Afro Basket et les capés awa la République démocratique du Congo. Moi je suis sûr tant que Congolais les locaux, je suis fier. Et capable de réaliser en tout cas merci et la bande de commence basse colonna biso merci à l'apôtre Gérard Kabe le moment ma Thérèse Bambote na bino ebele merci na bonne union sur la GKM télévision na ngara bino mingi en tout cas ngai na bino to kutani bongo mbala sima pe na émission mosusu ciao. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Défendons la patrie. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez la écolo, bendez les Koyate.